La diligence raisonnée, c'est un processus d'analyse et de maîtrise de risques visant à terme à assurer d'un risque faible de circulation du bois issu de récoltes illégales dans les chaînes d'approvisionnement. La notion de diligence raisonnée a vu le jour à la faveur des réglementations internationales, par exemple au niveau de l'Union européenne, des États-Unis, du Japon, de l'Australie, pour combattre le bois ou l'exploitation illégale à travers le monde. D'abord, l'obligation de faire diligence raisonnée, comme dans le cas de l'Union européenne, s'applique à tous les pays de l'Union européenne et s'impose à tous les opérateurs économiques premiers metteurs de bois sur le marché européen. La certification tierce partie, quant à elle, est un processus privé dont le but est d'assurer la bonne gestion forestière et de la traçabilité des produits bois issus des forêts bien gérées. Il faut dire que la certification est un processus volontaire, contrairement à la diligence raisonnée qui est imposée à tous les opérateurs économiques. Selon le règlement bois de l'Union européenne, le fait pour un opérateur économique d'être certifié ou bien pour un bois d'être certifié ne dispense pas l'opérateur de faire diligence raisonnée, mais peut plutôt être utilisé dans le processus de diligence raisonnée pour atténuer, pour justifier d'un risque faible. Il faut dire que avant les approvisionnements en grumes de la zone économique spéciale se faisaient tous azimuts, sans véritable contrôle. Et du coup, du bois issu de récoltes illégales pouvait facilement accéder à la zone économique spéciale. Et cette situation n'était pas de nature à préserver l'image de marque de cet espace économique qui est d'une importance capitale au niveau national. GSEZ, dans la quête d'une solution à cette situation, a voulu préserver une solution simple et efficace qui pouvait permettre de séparer la bonne graine du vrai, entre guillemets, en termes d'approvisionnement en grumes de la zone économique spéciale. Et la diligence raisonnée a été le système simple trouvé comme pouvant facilement permettre d'atteindre cet objectif. Il faut dire aujourd'hui que l'objectif, on peut le dire, est atteint, parce que la centaine de fournisseurs, et même plus de la centaine de fournisseurs qu'on avait avant l'implémentation du projet Tracer, nous en sommes rendus aujourd'hui à moins d'une cinquantaine de fournisseurs qui fournissent des grumes sur la zone économique spéciale, des grumes dont l'origine est bien connue et traçable.